Si votre périphérique audio externe n'est pas détecté sur la prise de jack ou ne produit aucun son, suivez ces étapes simples et rapides. Mettez à jour le pilote audio à la dernière version disponible. Pour ce faire, allez sur dell.fr/support. Identifiez votre système à l'aide de son numéro de série. Cliquez sur l'onglet Pilotes et téléchargements. Cliquez sur Développer pour accéder à la liste complète des pilotes et téléchargements pour le système. Sélectionnez le système d'exploitation. Et pour le champ catégorie, sélectionnez Audio. Cliquez sur le bouton Télécharger pour le pilote audio Realtek le plus récent. Le téléchargement fini. Ouvrez le fichier téléchargé pour l'exécuter. Cliquez sur le bouton Oui pour autoriser les modifications. Puis cliquez sur le bouton Installer et suivez les instructions à l'écran. Un redémarrage du système est généralement requis pendant l'installation. À la fin du processus, vérifiez que la case « Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant » est bien cochée pour redémarrer et ainsi finaliser l'installation. Cliquez sur « Terminer » pour quitter l'assistant. Une fois le nouveau pilote installé, testez le son en connectant votre périphérique audio externe sur la prise audio jack. Vous verrez si le système détecte correctement l'appareil audio. L'application Dell Optimizer peut faciliter la bascule et la détection de votre produit audio externe. Si le logiciel n'est pas installé, revenez à la page web du support technique Dell Technologies. Dans les pilotes et téléchargements, vérifiez le système d'exploitation sélectionné. Ensuite, choisissez les applications pour catégorie. Cliquez sur le bouton Télécharger de l'application Dell Optimizer. Ouvrez le fichier Télécharger. Autorisez les modifications, puis lancez l'installation et suivez le reste des instructions à l'écran. À la fin de l'assistant, cliquez sur le bouton « Terminer » puis sur le bouton « Fermer ». Connectez votre casque ou vos écouteurs à la prise jack du PC. Une fenêtre Dell Optimizer devrait apparaître vous proposant des options pour optimiser l'appareil connecté. Faites votre sélection, puis cliquez sur le bouton « Optimiser ». Si la fenêtre ne s'ouvre pas, ouvrez alors l'application. Vous verrez toutes les options d'optimisation. Sélectionnez Audio. Assurez-vous que Fenêtre contextuelle de périphérique audio est activée. Sinon, basculez le bouton Radio sur Activé. Vous serez assuré que l'optimisation se fera pour tout appareil analogique connecté via la prise jack audio. Fermez l'application et le commutateur audio devrait maintenant être automatique. Si vous avez encore besoin d'aide ou si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter via l'un de nos réseaux sociaux listés dans la rubrique à propos sur la chaîne DellVZ. Vous pouvez également consulter le forum communautaire pour voir ce que d'autres ont à dire sur le sujet. N'hésitez pas à aller faire un tour des tutoriels vidéo et n'oubliez pas d'activer les notifications pour suivre la sortie des nouveaux tutos.